souvent, la caricature de la pâtisserie, c'est une grosse vitrine de gâteaux qu'on voit visible de l'extérieur. Et là, comme on n'avait pas ça, on a essayé de contourner le problème et faire différemment. Mais il n'y a pas là de volonté de muséifier les gâteaux, et je n'aime pas ça d'ailleurs. En fait, dans l'univers de la pâtisserie, il n'y a jamais eu autant de boutiques qui se sont ouvertes, on n'a jamais autant parlé de la pâtisserie. Et ça, je trouve ça formidable. Un gâteau vanille-chocolat, mais qui soit à la fois très vanille et très chocolat. Donc, à partir de cette idée-là, j'ai composé le gâteau. Alors, dans le fond, il y a un sablé chocolat à la fleur de sel. Ensuite, il y a une ganache vanille, très vanillée, comme dans la tarte vanille. Et puis, ensuite, il y a des fines couches de chocolat qui contribuent à la texture du gâteau. La fraise cuite, ça a un goût différent de la fraise crue. Et donc, les deux se complètent pour moi. Donc on fait le tour du goût fraise.